Bonjour à tous, bienvenue sur Mini PDLV. Une fois n'est pas coutume, on va parler d'une Formule 1 et plus particulièrement d'une Formule 1 de 2020 avec la Renault RS20 de Solido à l'échelle 1/18e. Et comme vous pouvez le voir, c'est une très grande miniature, le plateau ne peut même pas tourner. Donc je vais l'arrêter, je vous lance la séquence en musique et on parle de ce modèle-là de suite. Oui, il est temps. Dans cette petite introduction, on a ici une Renault RS20. C'est donc une Formule 1 développée pour le millésime 2020 particulièrement. Alors personnellement, je ne suis pas un grand fan de Formule 1, à vrai dire je ne regarde pas la F1, mais c'est une discipline qui m'a toujours assez fasciné puisque c'est des voitures qui sont vraiment exceptionnelles. Donc ici, globalement, on est sur un modèle de 5 m48, donc c'est vraiment beaucoup. Et c'est même largement plus que la plupart des voitures actuelles sur le marché pour les personnes civiles. Disons que ça comme ça. La Renault RS20 elle succède en toute logique à la RS19 qui avait déjà été développée par Solido à l'échelle 1/18e. Alors les différences entre les deux, elles sont assez minimes. Les plus marquantes, je dirais, attention, c'est vraiment un détail, c'est au niveau du spoiler qui était de mémoire un peu plus lisse en 2019 et qui maintenant a une forte cassure pour 2020. Et il y a également, alors j'ai pas forcément les termes techniques, on va dire le nez de la F1 qui a été largement redessiné pour vraiment avoir la meilleure aérodynamique possible. Bon, par où commencer? Ici donc on est sur un modèle de 2020, c'est une voiture qui a été conduite par Esteban Ocon, qui est toujours un pilote Renault, aux côtés de Daniel Ricciardo. Alors Ricciardo, il a la numéro 3, Ocon, il a la 31, et c'est sa voiture qu'on a ici. Alors, on est donc sur un modèle 2020, qui répond donc à un cahier d'exigence qui est relativement strict, puisque la F1, c'est avant tout maintenant beaucoup de normes, et ce modèle-là n'y échappe pas. Alors, on va pas dire sous le capot, on va dire en position arrière, centrale arrière, on a un moteur V6 turbo, qui a une cylindrée de seulement 1,6 litre, donc c'est vraiment très peu. Et comme vous pouvez le voir ici, E-Tech Hybride, c'est donc une voiture hybride. E-Tech, c'est un nom commercial qu'on trouve maintenant, notamment sur la Clio 5, mais qui est conjugué à un moteur atmosphérique. Là, ça n'a rien à voir, on est donc un moteur hybride conjugué à un petit 1,6 litre 4 cylindres turbo, pour une puissance totale de 914 chevaux. Et donc, si on met ça en parallèle avec un poids de seulement 746 kg, ça vous donne un petit peu une idée des performances. Venons-en maintenant à la miniature développée par Solido. Alors déjà, encore une fois, c'est un sacré pari que de reproduire une F1 à l'échelle 1/18e, parce qu'il y a des enjeux qui sont largement plus compliqués qu'une voiture civile classique, comme par exemple ce Duster, même si je l'aime beaucoup, là on est vraiment sur une technicité qui est bien supérieure. Déjà parce qu'il y a la ligne en elle-même de la voiture. Une ligne qui est assez impressionnante et qui engendre forcément une boîte un peu plus longue. Donc tout ça, ça a des coûts de développement supérieurs. Et ensuite, il y a plein d'éléments spécifiques. Par exemple, ce que vous voyez là, cette espèce de boule, c'est tout particulièrement un casque, celui de Esteban Ocon. Parce que, effectivement, dans une F1, il y a toujours un pilote qui est lié. Et donc, Solido a fait le pari
justement d'inclure le pilote au volant de la voiture. Donc ça, c'est un petit détail sympa qu'on n'a pas sur des versions civiles. Au niveau de la retranscription du profil, eh ben, on est vraiment très bon. Solido a encore une fois fait du très bon travail. C'est une miniature qui présente vraiment très bien. Alors j'aurais aimé vous la faire tourner sur le plateau, mais on fait comme on peut et là on n'a clairement pas la place. La modélisation, elle est relativement soignée. On voit bien ici la sortie d'échappement qui n'a pas une texture alu mais qui rend pas trop mal. De toute manière, c'est pas un élément qu'on voit tout particulièrement. L'aileron est assez massif. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je commence par l'arrière de la voiture, c'est pas commun. L'aileron est très massif mais également très réussi. On retrouve les sponsors, notamment Castrol et Yahoo juste en dessous. Eurodata Car qui est dans la partie intérieure de l'aileron. Au niveau de la ligne de caisse, elle est très très bien reproduite parce qu'une F1, c'est avant tout énormément d'aérodynamique. Et donc, ça engendre des formes qui sont particulièrement complexes à retranscrire. Parce que la RS19 à l'époque, donc qui est la génération d'avant, on lui avait reproché justement un manque d'aérodynamique. Et donc, cette version-là, elle a revu énormément de petits détails. Mais c'est des petits détails qui font tout. La ligne de caisse, elle est vraiment superbement esquissée. On se doute bien que Solido a dû résoudre pas mal de problématiques parce que c'est vraiment une pièce qui est assez incroyable avec ses dévers, ses renflements, c'est très 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 joli. Idem pour la partie arrière hein, qui remonte assez haut, qui inclut un aileron vertical et un aileron beaucoup plus massif à l'arrière. On a également au-dessus du pilote cette partie-là. Alors cette partie-là, c'est un arceau qui s'appelle plus particulièrement le halo. Alors oui, c'est très moche, mais en cas de retournement, ça vous permet d'avoir votre tête qui est toujours fixée à votre corps. Donc c'est quand même pas mal pour éviter la décapitation. Le nez est également très long, mais vraiment très très long. Il se termine sur un museau qui est complété par un spoiler, un nez, qui a différentes lames à différents niveaux, ce qui permet justement d'accroître le passage de l'air et donc de permettre d'avoir une meilleure aérodynamique. Les roues, ce qui est très marrant, c'est que, alors j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais il me semble qu'il y a quelques années, il y a des recherches qui avaient été faites pour que les F1 passent sur des jantes de 18 pouces. Là, vous allez rire, mais c'est pareil qu'une Clio de 91, c'est des jantes de 13 pouces seulement. Seulement, contrairement à une Clio de 91, on a des pneus quand même de 40 cm de large à l'arrière, ce qui est quand même juste énorme. On a également une retranscription de la fibre de carbone juste ici. Alors, clairement, c'est pas un rendu qui est oufissime, mais Solido en fait retravaille le plastique pour y inclure des lignes, ce qui fait qu'on a un rendu qui est pas trop mal. Alors, on pourrait reprocher un point, c'est que cette texture est dupliquée, donc avec un sens de fibre comme ça, qui est également comme ça ici, alors que normalement ça devrait être comme ça. Bon, encore une fois, c'est un petit détail, et pour une miniature à 45€, bah franchement, ça fait largement le travail. Pour continuer dans les détails, on a des petits trucs sympas. On a notamment le poste de conduite qui est assez bien reproduit, avec ce volant à la forme si caractéristique. On a également le personnage, donc Esteban Ocon, qui est assez bien reproduit. On distingue son buste, ses bras également, avec ses mains qui sont fixés autour du volant, donc c'est plutôt pas mal. Et ses jambes qui passent et bien, tout simplement dans la partie avant de la F1. D'ailleurs, c'est également pour ça qu'il y a le renflement qui va jusqu'ici. Le halo est bien fixé, on a également des rétroviseurs qui ont deux points de fixation, donc un ici et un sur le côté. On distingue également de larges entrées d'air. Alors, je fais attention à chacune des mêmes manipulations pour justement essayer de ne pas esquinter ni le décor ou la miniature, avec des entrées d'air qui sont assez massives et qui vont soit au-dessus, soit en dessous. Et tout ça, en fait, cette aérodynamique-là, elle se complète avec le châssis qui est relativement plat. Les pneus sont en caoutchouc. Ils sont plutôt bien finis avec les sponsors qui apparaissent sur les côtés. Enfin, les sponsors, la marque du pneu. Donc là, en l'occurrence, je pense que vous aurez deviné que c'est du Pirelli P0. On a aussi les sponsors qui sont bien appliqués. Alors, pile poil au moment où je vous dis ça, je vous en montre un qui est justement un peu moins bien appliqué que les autres. Mais ça fait le travail. La direction est fonctionnelle. Et ce qui est sympa, c'est qu'elle fait également bouger le volant. Et quand le volant bouge, on voit bien que les mains du pilote sont fixes. Donc c'est pas mal. Et je pense que ça a développé, ils ont vraiment dû s'amuser chez Solido. On a également un petit indicateur là. Alors est-ce que c'est une antenne? Est-ce que c'en est pas une? Je ne sais pas. Si vous le savez, dites-moi en commentaire ce que c'est.
Au niveau de la décoration, franchement, ça rend très bien. Et cette miniature-là, en fait, elle s'apprécie encore plus quand on la regarde d'un peu plus loin. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas du tout un fan de F1. Il y a certainement des points que je vais oublier d'aborder. Mais si vous avez des questions sur ce modèle-là, n'hésitez pas à me les poser. La miniature, elle présente vraiment très très bien. Par contre, c'est une pièce qui est quand même très fragile. Par exemple, mon exemplaire, même si j'ai eu un livreur adorable la dernière fois, qui se reconnaîtra sûrement en regardant cette vidéo, l'aileron était quand même cassé au niveau des pattes de fixation. Parce que l'aileron, il a une fixation au-dessus de la sortie d'échappement. Et sur les côtés, en fait, c'est vraiment un simple point qui doit faire, allez, 2 mm. Et donc, forcément, dès que ça bouge, eh ben, ça a tendance malheureusement à casser. Donc ça se répare assez facilement en mettant une goutte de colle sur chaque patte et finalement après on a un aileron qui est relativement solide. Je vais pas forcer davantage, j'ai pas envie de le casser. Maintenant parlons un petit peu du palmarès. Décidément tout est en désordre dans cette vidéo. Cette voiture là, c'est la version telle qu'elle a couru au Grand Prix d'Angleterre qui était l'une des manches justement de l'édition 2020. Il y a 23 pilotes qui se sont affrontés et Esteban Ocon, il a réussi à obtenir une 6ème place. Ce qui lui a permis d'engranger 8 points au classement. Alors, effectivement, on aurait aimé que cette voiture-là ait un palmarès un peu plus sympa. Mais déjà, une 6ème place en F1, c'est déjà balèze. Surtout que Esteban Ocon, c'est un pilote qui est quand même très jeune. Il n'a que 24 ans. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette voiture-là? Donc, c'est une F1, tout est démesuré. C'est un moteur qui est capable de prendre 15 000 tours minute au maximum, ce qui est juste énorme. C'est vraiment un modèle à part dans la gamme. Si vous aimez les F1, je peux vraiment que vous la reconseiller. Alors, effectivement, faut pas regarder trop dans le détail. Il y a quelques petites choses qu'on aurait aimé avoir avec un peu plus de soin. Mais franchement, pour 45€, vous avez vraiment un modèle d'une grande qualité. Personnellement, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est clairement un modèle coup de cœur. Même si, voilà, je ne suis pas le plus grand fan de F1, il y a quand même à peu près tout. On retrouve bien les lignes de la F1, on ressent bien la bestialité, mais également la fluidité dans le design. Solido a bien reconstitué les arêtes, mais également les lignes techniques. Donc c'est vraiment une pièce qui rend très très bien. Quand on la regarde comme ça, on se rend bien compte du travail aérodynamique qui a été mené dessus. Donc c'est vraiment une très 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 belle pièce. D'ailleurs, c'est que la troisième Formule 1 réalisée par Solido. Justement, cette ouverture-là, je pense qu'elle permet aussi à Solido d'étoffer sa gamme et de toucher un public encore plus large. D'ailleurs, cette nouvelle gamme compétition, elle prend vraiment du sens. Je trouve que c'est des modèles qui apportent un grand plus et qui permettent justement de s'offrir des modèles qu'on pourrait pas forcément s'offrir chez des constructeurs plus haut de gamme. Donc, encore une fois, un excellent rapport qualité-prix, mais j'ai l'impression de me répéter toutes les semaines quand je parle de Solido. Le prix, donc, comme je l'ai évoqué, le prix maximum conseillé, c'est 44,95€. La référence, c'est S1806-801. Vous pouvez trouver ce modèle-là sur Internet, mais il y a également un lien dans la description. Alors, certains magasins vont également être approvisionnés. Je ne peux pas vous garantir que vous la trouvez à coup sûr, mais si vous ne la trouvez pas, vous regardez dans la description, il y a un lien, c'est carré. Là, franchement, pour 45€, c'est clairement un best-seller. Solido, ils sont vraiment en très grande forme en ce moment. Ils arrivent à nous pondre des modèles hautement désirable, avec toujours des petites imperfections, hein, très clairement, c'est jamais parfait. Mais honnêtement, pour le cahier des charges qu'ils ont, bah c'est juste bluffant. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo F1 vous aura plu. Je suis à votre écoute en commentaire si vous avez des questions sur le modèle, s'il y a des points que vous aimeriez que j'aborde un peu plus dans les prochaines vidéos. Dites-moi tout ça en commentaire, moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de votre famille, conduisez pas comme des pirates, sauf sur un circuit de F1. Et bye bye. Allez, pour l'outro, je vais essayer de vous faire retourner le plateau, parce que c'est quand même le rituel. Ça passe, ça passe. Allez, outro.